Dans la cuve de mon robot, je réunis le sucre, la noix de coco, l'eau, la farine, le beurre mou et je pétris jusqu'à obtenir une pâte homogène. Alors, pour réaliser mes biscuits, j'ai rajouté quand même 2 cuillères à soupe d'eau dans ma pâte pour qu'elle s'agglomère. Donc une fois réalisée, je prélève des boules de 10 à 12 grammes que je roule entre les paumes de mes mains et ensuite en boudin. Des boudins que je mets dans la noix de coco râpée et que je façonne en lettres C et que je viens placer sur une plaque de cuisson. Ma plaque est recouverte de mes petits biscuits. Je n'ai plus qu'à l'enfourner pour une quinzaine de minutes à 180 degrés.